Merci à Chouaqa pour son accompagnement et pour votre présence pour accompagner cette cérémonie de passation entre le doyen par intérim sortant et le doyen par intérim nouvellement installé. Aujourd'hui, donc, c'était une occasion pour faire un peu le bilan sur l'ensemble des réalisations que nous avons faites durant ces 13 années de service à la tête de l'établissement. Quand on avait démarré à la faculté des lettres et des sciences humaines en 2005, on avait une petite équipe d'à peine deux administrateurs, un petit bureau, un petit budget qui ne dépassait pas les 120 000 dirhams, zéro enseignant permanent. Et malgré toutes les contraintes, nous avons donc rapidement travaillé avec l'appui du défunt, le président Si Mohamed Qouam, et avec l'appui également du défunt, le professeur Mehnaoui, qui était doyen à l'époque de la faculté des traditions humaines, et bien sûr avec l'appui de l'ensemble des représentants et des différentes instances universitaires. L'année d'après déjà, nous, on avait une deuxième promotion d'environ 150 étudiants, et petit à petit, nous avons donc constitué un noyau d'enseignants permanents, et puis les projets de coopération avec l'ensemble des partenaires socio-économiques. Et c'est comme ça que la faculté polydisciplinaire, en tant que projet, donc, est née dans des conditions qui sont extrêmement limitées, mais rapidement a commencé à grandir. Et 3 années après, on avait déjà été au niveau du CPR, dans lequel nous sommes restés pendant 5 années avant de venir, bien sûr, au nouveau campus qui a été bâti en 2013 et avec un budget global d'environ 35 millions de dirhams. Durant tout le parcours de la faculté polydisciplinaire, on s'était fixé des objectifs stratégiques, aussi bien sur le volet académique que sur le volet recherche scientifique. Pour ce qui est donc du volet académique, les principaux objectifs stratégiques fixés étaient d'abord la professionnalisation des cursus, l'internationalisation des cursus et le côté adéquation des formations par rapport au marché de l'emploi. Donc ce sont 3 éléments qui ont guidé notre vision et à laquelle on a essayé donc de faire adhérer l'ensemble du corps enseignant et l'ensemble du corps administratif. Nous avons travaillé sur la mise en place d'un climat de confiance et ce qui a favorisé bien sûr l'esprit d'appartenance à l'établissement et donc ce qui libère un peu les initiatives et permet à tout le monde de pouvoir mettre sa petite pierre à l'édifice et la construction de ce grand projet qui est bien sûr la faculté polydisciplinaire. Je suis le professeur Khalid Nkhouja, le doyen par intérim de la faculté polydisciplinaire. En ce jour remarquable où j'ai fait la passation avec le professeur Abdelaziz Shafiq, l'ex-doyen par intérim de notre faculté, je suis content et fier d'assumer cette responsabilité et j'espère qu'avec le corps professoral, le corps administratif et les étudiants, on aura toute la possibilité pour travailler et travailler dans une symbiose afin d'atteindre des objectifs qui sont tracés pour cette faculté, pour faciliter le travail de l'étudiant, parce que notre souci, c'est l'étudiant. Nos prérogatives, c'est l'intérêt de l'étudiant. Donc, on va mettre la main dans la main avec ces 3 partenaires qui sont les professeurs, les administrateurs, les étudiants, afin de chercher des créneaux qui sont bien tracés dans le programme national et d'avoir des formations et des nouvelles formations, que ce soit en licence professionnelle, en master. Et ceci facilitera certainement l'insertion de nos étudiants dans le marché du travail. Merci beaucoup.
لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.